sa femme a accouché sur le navire. Le roi concède une seigneurie à Robert Giffard. Les personnes trop âgées pour travailler, alors étaient comme sentinelles. En bas à gauche, à droite, et le Havre au nord, Ignace, l'île aux ours et l'île de Grâce appartiennent à la seigneurie de Sorel. Le cap au massacre est montré en haut à gauche. Alors, il faut croire que, disons, que les Russes avaient, et les Cournoyens avaient sûrement une bonne réputation. On fait des démarches pour avoir un curé permanent. Pasteur de l'Église méthodiste et témoin, on voit M. Brousseur et son épouse. On voit le clocher de l'Église Saint-Pierre. Ici, c'est un chantier, les frères Lefebvre, les frères Metando. Boutique de forge, États-Unis. Ici, c'est un bac. Les descendants de Paulus, alors tout le monde connaît ces gens-là. Sainte-Croix, qui a été coulée au sud de l'Islande le 20 septembre 1943 par le sous-marin allemand. Okay? Tout le monde connaît l'historique de Gérard Cournoyer, et puis il a servi dans les grosses causes. Okay? Ici, ce sont des Russes qui les traversent. Rocklemon, et les lieux de naissance de ses parents. Dont Jean-Marie Paulus, qui était un espèce de philanthrope, il a participé beaucoup à des œuvres de bienfaisance. Un maire de Saint-Ignace de Loyola, fils de Hubert Paulus. Avec sa famille, patron du Parti communiste français, Jean Cournoyer, fils de. C'est lui qui était propriétaire de Sévenop. C'est mon grand-père, ma mère, encore des Cournoyer. On peut voir la photo de Jean Cournoyer en haut, là. Encore une famille honorée par Tweed. Par le Wisconsin et la Californie.